Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est un immense plaisir pour moi et un grand honneur aussi d'ouvrir ce colloque, cette réunion d'échange au nom de Planète Sociale, donc je vous souhaite vraiment la bienvenue ce soir. Alors je rappelle Planète Sociale, qu'est-ce que c'est ? C'est un fonds de dotation qui a été créé en 2010 à l'initiative du GIM, du groupe des industries métallurgiques de la région parisienne. Et c'est en fait alors le terme think tank est un terme un peu anglo-saxon, c'est plutôt un lieu d'échange, un lieu de réunion, un lieu de réflexion que j'ai l'honneur effectivement de présider et qui réunit en fait des praticiens des ressources humaines, des praticiens des relations sociales, mais aussi des spécialistes, des experts, en particulier du droit social, des juristes sociaux. Donc ce sont des DRH, ce sont des directeurs des relations sociales, ce sont plus largement des entrepreneurs, des avocats, des universitaires, des professeurs d'université, et puis dans le cadre d'un comité scientifique qui est présidé par le professeur Bernard Tessier, qui ne peut pas être parmi nous ce soir. Est-ce qu'on excuse ? Alors pourquoi avoir créé ce centre de réflexion, et puis quelle est sa vocation ? Bien, en fait, praticiens, experts et spécialistes de droit social, on partage finalement la même conviction qu'il faut faire du dialogue social, non pas une contrainte, une difficulté. Et ce soir, cette journée, en plus, c'est particulièrement symbolique, un jour de mobilisation nationale, mais que vraiment que le dialogue social peut aussi être perçu en France comme un levier de compétitivité, un levier qui fait alliance finalement entre le progrès social et le progrès économique. Et que, en tout cas, la pratique de ce dialogue social, eh bien, peut être en France un pilier de la compétitivité des entreprises, mais aussi, encore une fois, de la réconciliation du progrès social et du progrès économique. Et que, finalement, le rapport de force n'est pas la solution, mais que, en réalité, le dialogue social permet, sur le long terme, eh bien, cette paix sociale et ce développement économique et social. Alors, en France, effectivement, un grand nombre d'entrepreneurs considère le social comme un élément important d'écart de compétitivité, alors que le droit social pourrait être utilisé comme un levier pour instaurer au contraire la confiance dans les relations individuelles et les relations collectives de travail. Je voudrais résumer donc notre démarche dans cette ambition, c'est faire du dialogue social ce levier de compétitivité et de réunion entre l'économique et le social. Alors comment faire en sorte que le droit social et les pratiques qui en découlent soient au service du développement économique des entreprises industrielles par la rencontre, c'est un lieu d'échange, un lieu de réflexion, aussi un lieu de prospective. Et Planète Sociale s'est donné pour mission de confronter les idées et de proposer aussi des pistes, de faire des propositions pour faire du social donc cet instrument de compétitivité. Pour accomplir cette mission, Planète Sociale et son comité scientifique œuvrent en partenariat avec l'université sur des objectifs structurants qui font sa feuille de route. L'élaboration, permettez-moi d'utiliser un grand mot, un peu d'une doctrine, en tout cas de plateforme d'idées, d'échanges et de propositions, encore une fois, par la réunion de praticiens et par des experts du droit social. L'émergence finalement aussi d'une expertise juridique, sociale, et puis préparer la relève, se tourner vers les jeunes résolument, et donc un axe de Planète Sociale, c'est aussi de s'ouvrir vers la formation de juristes praticiens, de jeunes juristes du droit social en entreprise, et des relations sociales aussi, capables de promouvoir donc cette approche équilibrée, objectivée des relations du travail. Alors, au cœur de nos travaux, la question du dialogue social est centrale. Comment envisager un dialogue social dynamique, constructif, simplifié, rationalisé et surtout apaisé, sécurisé ? Comment aligner, réconcilier l'entreprise, les salariés et la recherche du profit pour accompagner les mutations économiques ? Quelles sont les clés pour faire converger dynamisme économique et progrès social ? Et finalement, comment jouer collectif ? Et donc, c'est le thème, finalement, de ce colloque, de cette réunion ce soir, qui va donc réunir experts du législatif, du doctrinal, mais aussi des praticiens au quotidien sur le terrain, et puis la question aussi, bien entendu, du juge dans tout cela par rapport aux accords.